Eh bien, bonjour à tous. Je suis très contente d'être là aujourd'hui pour parler avec vous d'un sujet d'actualité. Le sujet d'actualité dont tout le monde parle, c'est bien entendu ce nouveau virus. Et on a maintenant un certain nombre de questions sur ce virus, le SARS-CoV-2 et les animaux domestiques. Alors, je vais commencer en disant que, bien entendu, c'est un virus qui est très récent et donc les connaissances changent tous les jours et tous les jours on apprend des choses nouvelles. Et donc, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui est valable aujourd'hui, mais peut-être que dans une semaine, un mois ou dans 6 mois, ce sera complètement différent. Alors, vous avez entendu beaucoup de choses sur l'origine de ce virus. Et c'est vrai que une des questions qu'on se pose, c'est de savoir d'où vient ce nouveau virus, le fameux SARS-CoV-2. Alors, à l'heure actuelle, toutes les études sont d'accord pour dire que oui, ce virus a bien une origine animale et que le réservoir du virus initial, c'est la chauve-souris. Très probablement, cette chauve-souris a été en contact avec un hôte intermédiaire, donc un autre animal qui s'est infecté et dans lesquels il y a eu des modifications du virus. Pour l'instant, l'hypothèse la plus probable, c'est que cet hôte intermédiaire, ce serait le pangolin. C'est pas complètement prouvé, mais probablement, c'est lui. Ensuite, eh bien, il y a eu un contact entre ce pangolin infecté et un homme. Et cet homme qui s'est infecté pour la première fois avec ce nouveau virus, c'est ce que l'on appelle le patient zéro. Et à partir de ce patient zéro qui a été infecté par ce nouveau virus, eh bien, vous le savez, on est maintenant sur une pandémie qui a atteint tous les continents. Et aujourd'hui, on est à plus de 2,5 millions de personnes infectées. Alors forcément, ce premier patient zéro, probablement infecté novembre ou décembre, on ne sait pas trop. On est fin avril et on a 2,5 millions de personnes infectées au moins. Comment est-il possible qu'à partir d'une seule personne infectée, on arrive aussi vite à une pandémie mondiale? Eh bien là, il faut s'intéresser à la façon dont ce virus se dissémine d'un individu à un autre. Alors qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on sait que les patients infectés ont du virus au niveau du tractus respiratoire et qu'ils vont donc excréter ce virus. Et ce virus peut se transmettre par aérosol. C'est ce que l'on appelle la transmission directe. Mais on sait aussi que ces patients, quand ils libèrent du virus, le virus peut aller se poser sur des surfaces inertes et rester sur ces surfaces inertes en étant infectieux. C'est ce que l'on appelle la transmission indirecte. Alors, à partir de ces particules virales, comment est-ce que la personne non infectée va s'infecter? A priori, toutes les infections se font au niveau du nez ou de la bouche. C'est ce qu'on appelle des infections par voie oronasale. Alors, soit directement en respirant le virus, soit de façon indirecte en ayant touché une surface contaminée avec ses mains et en remettant ses mains au niveau de son visage en se frottant le nez, les yeux ou la bouche. Et vous comprenez bien, quand on parle de ce mode de contamination, l'importance des mesures barrières qui sont actuellement recommandées dans le monde entier. La distanciation sociale, le lavage des mains et le port du masque. Alors ça, c'est des modes de transmission, ce que je viens de vous expliquer, relativement classiques. La voie aérienne ou le contact indirect. Le deuxième point à prendre en compte qui peut expliquer pourquoi ça avance aussi vite, c'est la capacité du virus à infecter un autre individu. Et c'est ce que l'on appelle en épidémiologie le fameux R0. Ce R0, c'est le nombre d'individus qu'un individu infecté peut lui-même infecter. Les chiffres varient en fonction des études et en fonction des pays, mais globalement, on est avec un R0 entre 2,5 et 4. Ça veut dire que chaque personne infectée va potentiellement être capable d'infecter entre 2,5 et 4 autres personnes. Et puis ces 4 autres personnes vont elles-mêmes infecter entre 2,5 et 4 autres. Et ça va aller très très vite. Et une des raisons pour lesquelles ça va aussi vite, c'est qu'on a affaire à un nouveau virus.
et que ce virus, il ne rencontre que des individus qui ne sont pas du tout protégés, qui n'ont pas d'immunité protectrice préexistante. Donc tout le monde peut s'infecter. Et c'est comme ça qu'on arrive à la situation actuelle. Donc ça, c'était un petit résumé de ce qui se passe chez l'homme. Mais comme je vous l'ai dit, ce virus, il provient à la base d'une source animale. Et donc la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que ce virus qui est chez l'homme pourrait retourner infecter à nouveau les animaux? Et parmi les animaux, bien entendu, nos animaux de compagnie, nos chiens, nos chats. Alors pour répondre à cette question, il va falloir s'intéresser d'un peu plus près à la vie du virus et à la façon dont il rentre dans une cellule, et une fois dans la cellule, à la façon dont il se réplique. Alors, tous les virus fonctionnent de la même façon. Pour rentrer dans une cellule, il faut qu'ils interagissent avec une molécule qui est exprimée à la surface de la cellule. C'est son récepteur. Et en fait, classiquement, on explique ce système avec un système clé-serrure. La serrure, c'est le récepteur sur la cellule qui va s'infecter, et la clé, c'est la molécule qui est exprimée à la surface du virus. Et il faut que le virus ait la bonne clé pour le bon récepteur pour pouvoir rentrer dans la cellule. Alors le récepteur de ce SARS-CoV-2, on le connaît, il a été identifié, c'est une molécule qui s'appelle ACE2, c'est une enzyme qui est exprimée à la surface de très nombreuses cellules. Mais une fois que le virus il est rentré dans la cellule, ça ne suffit pas. Parce qu'en fait, ces virus, ils ne peuvent rien faire tout seuls. Ils sont obligés d'utiliser toute la machinerie cellulaire pour pouvoir se multiplier. Ça veut dire qu'une fois que le virus est rentré dans une cellule, il a au moins une dizaine d'interactions différentes avec des protéines et des enzymes différentes au cours de sa vie. Et à chaque fois qu'il interagit avec une protéine, il faut qu'il ait le code d'accès de cette protéine. Sinon, ça ne marche pas. Et donc, la réplication du virus dans la cellule, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et qui n'est pas forcément parfaitement élucidé sur toutes les étapes. À partir du moment où on sait ça et qu'on revient à notre problème de est-ce que potentiellement ce nouveau virus humain, il peut aller infecter des cellules d'autres espèces de mammifères. On va commencer par aller regarder la structure du récepteur. Alors, le récepteur humain, l'ACE2, on le connaît très très bien, il a été séquencé, on connaît sa structure. Il y a un certain nombre d'études qui ont été regardées si cette molécule, elle est aussi exprimée à la surface des cellules des autres mammifères. Et la réponse, c'est oui. Cette molécule, elle est ubiquitaire, tout le monde en a besoin. Mais bien entendu, le deuxième point, c'est est-ce que cette molécule, c'est exactement la même que chez l'homme ou est-ce qu'il y a des différences? Et là, les études montrent que globalement, ce récepteur, cet ACE2, eh bien, celle du chien, du chat et du furet est assez proche de celle de l'homme. Et donc, comme elle est très proche, il est possible qu'il y ait une interaction entre le virus et le récepteur. Mais ensuite, comme je vous l'ai expliqué, une fois que le virus il est rentré dans la cellule, il faut qu'il puisse se multiplier. Et là, on a des interactions très complexes et très variées. Et c'est donc impossible de certifier que parce que le virus a été capable de rentrer dans la cellule, il va être capable de se répliquer dans cette cellule. Et pour répondre à cette question, il faut y aller faire des essais. Alors, il y a plusieurs types d'essais qui ont été faits. Une première série d'essais qui sont des essais in vitro, où on prend des cellules qui proviennent de vaches, de chevaux, de chiens, de chats, et on regarde si le virus peut se multiplier. Ça nous donne une première indication. Mais ces essais, ils sont pas suffisants pour mimer ce qui se passe vraiment dans la réalité. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est aller faire des infections expérimentales. Donc ces infections, bien entendu, elles se font dans des laboratoires de très haute sécurité avec des animaux destinés à l'expérimentation animale. Et il y a, pour l'instant, puisqu'encore une fois, on est sur un virus qui est très récent, très peu d'études qui ont été réalisées. Parmi les animaux qui nous intéressent aujourd'hui, donc nos compagnons, le chien et le chat, il y a une étude majeure qui a été réalisée. Et cette étude majeure, elle montre que globalement, le chien peut s'infecter, mais derrière, il n'y a pas
de réexcrétion du virus. Et il n'y a pas non plus de signe clinique. Donc dans ces conditions expérimentales, avec un petit nombre d'animaux, ça c'est très important parce que ça ne représente peut-être pas forcément toute la réalité, le chien s'infecte, mais derrière, pas de réexcrétion du virus et pas de signe clinique. Maintenant, les mêmes expériences ont été réalisées chez le chat. Alors chez le chat s'infecte et dans certains cas, il peut réexcréter du virus. Donc, il semblerait que oui, la machinerie cellulaire du chat permette au virus de se multiplier. Alors, dans ces études, on a assez peu de données sur l'apparition de signes cliniques sur ces chats qui ont été infectés expérimentalement. Et donc, comme on n'a pas vraiment de données, c'est difficile de dire si le virus est capable de provoquer vraiment des signes cliniques chez le chat. Mais je voudrais vraiment insister sur le fait que ces études, elles sont faites en laboratoire, en conditions expérimentales. Et que pour réussir à infecter ces chiens et ces chats, on a eu des doses de virus utilisées qui sont extrêmement élevées et qui très probablement ne miment pas du tout les conditions d'infection qu'il pourrait y avoir sur le terrain, donc en conditions réelles. Ces infections expérimentales, elles sont extrêmement importante pour comprendre la physiopathologie du virus, pour permettre de mettre en place des traitements et ou de chercher des vaccins. Mais elle ne mime pas forcément ce qu'il se passe sur le terrain. Et donc, il faut aller voir, avec le peu de données dont on dispose à l'heure actuelle, qu'est-ce que l'on sait sur le risque d'infection de nos animaux domestiques par ce virus. Et on peut commencer par ce que l'on appelle des études épidémiologiques, c'est-à-dire des suivis de populations d'animaux qui vivent dans un environnement où le virus circule. Pour l'instant, on a trois études majeures qui ont été réalisées. La première, elle a été réalisée sur des animaux soit aux États-Unis, soit en Corée du Sud. Et on a eu une répartition entre des chats, des chiens et des chevaux. Et l'objectif, ça a été de voir si ces animaux, ils étaient porteurs du virus. Et il y a donc eu des prélèvements qui ont été réalisés sur ces animaux pour rechercher éventuellement la présence du virus avec le fameux test dont tout le monde parle à l'heure actuelle, le test PCR. 4000 animaux ont été testés. Ils sont tous revenus négatifs. Donc ça, c'est une première information. On a une deuxième information qui provient d'études qui ont été réalisées récemment dans la province de Wuhan. Donc vous le savez, la province de Wuhan, c'est la province chinoise qui a été la plus touchée par le virus et où donc le virus a énormément circulé. Et cette fois-ci, les chercheurs ont fait des études sérologiques. Alors les études sérologiques, c'est quoi? C'est d'aller regarder s'il y a des anticorps spécifiques du virus dans un individu donné. Et s'il y a des anticorps, ça veut dire que le système immunitaire a réagi contre ce virus et que si le système immunitaire a réagi contre le virus, c'est que l'animal avait vu le virus. Et donc, ils ont prélevé 102 chats dans la province du Wuhan et ils ont fait le test sur ces 102 chats qui vivaient donc en contact avec des individus infectés. Et les résultats de leur étude indiquent qu'ils ont 11 chats qui ont développé une réponse anticorps. Donc, 11 chats qui se sont infectés. On n'a sur ces animaux aucune donnée sur la présence ou pas de signes cliniques. Et puis, il y a une dernière étude récente qui a été réalisée par mes collègues de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort sur une communauté d'étudiants. Et ces étudiants qui vivaient en communauté, il y en a 13 qui ont été identifiés comme infectés ou malades du SARS-CoV-2. Et ces animaux, ces étudiants, pardon, ils vivaient en communauté avec 9 chiens, 9 chats, pardon, et 12 chiens. Et sur ces animaux, on a fait à la fois une recherche de virus, mais également une recherche d'anticorps. Eh bien, sur ces 9 chats et 12 chiens, les tests sont revenus négatifs.
Et je ne devrais pas le dire, parce que c'est des étudiants vétos et que ces étudiants vétos doivent connaître les règles d'hygiène, mais clairement, on était sur des étudiants qui vivaient vraiment en contact étroit avec leurs animaux, y compris des étudiants qui dormaient avec leurs animaux dans leur lit. Donc, là encore, résultat négatif. Donc, globalement, les études épidémiologiques à l'heure actuelle sont plutôt très, très rassurantes. Maintenant, on a également quelques cas cliniques qui ont été rapportés un peu partout dans le monde. Alors, la première, c'est à Hong Kong. Alors, Hong Kong, en fait, ils ont une politique extrêmement stricte de suivi des individus, mais aussi des animaux qui pourraient être contaminés par le SARS-CoV-2, parce que peut-être que vous vous en souvenez pas, mais Hong Kong a été très très durement touché par la première épidémie, donc le SARS-CoV-1 qui était responsable du SARS. Et ils ont donc appris de cette première épidémie et ils ont fait un screening systématique de tous les animaux qui vivaient en contact avec des individus qui avaient été détectés infectés. Et ce screening, il a donné quoi? Eh bien, il a montré que deux chiens et un chat avaient été trouvés positifs par PCR. D'accord? Donc, on est bien d'accord, ils avaient du virus. En revanche, ces animaux, ils ont été mis en quarantaine, parce que c'est la réglementation là-bas, ils ont été suivis, et aucun de ces trois animaux n'ont présenté de symptômes. Donc on a trois animaux infectés. À l'époque où l'étude a été réalisée, il y avait eu plus que 1000 personnes identifiées comme infectées sur Hong Kong. Deuxième rapport clinique, cette fois-ci c'est en Belgique. Et en Belgique, un chat qui vivait avec une personne qui avait été détectée infectée a présenté des symptômes. Des symptômes pas vraiment caractéristiques, avec des troubles digestifs et des troubles respiratoires. Suite au confinement, cet animal, il n'a pas pu être vu par un vétérinaire, mais la propriétaire a fait des prélèvements qui ont été analysés et sur ces prélèvements, on a trouvé du virus. Est-ce qu'il y a un lien entre la présence du virus et les signes cliniques? C'est pas possible de le dire à l'heure actuelle. Ce qui est intéressant, c'est que le chat, a récupéré et il a guéri. Et puis, dernier élément, aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, vous avez peut-être entendu parler d'un tigre dans un zoo du Bronx qui a présenté des symptômes respiratoires. Et cet animal, il a été testé parce que son soigneur était infecté. Et effectivement, on a trouvé du virus sur ce tigre dans le zoo du Bronx. Et puis, plus récemment, deux chats à New York à nouveau ont présenté des symptômes qui pouvaient être évocateurs d'une infection par le COVID-2. Là encore, avec des propriétaires infectés par le COVID-2 aussi. On n'a pas à l'heure actuelle l'analyse, les résultats d'analyse de la présence ou pas du virus. Donc, en fait, sur ces études de cas cliniques, si on résume, à Hong Kong, deux chiens, un chat, 1000 personnes infectées. En Belgique, un chat positif avec du virus, 35 000 personnes infectées. À New York, au moment où ces cas ont été déclarés, donc un tigre, deux chats, le tigre, on est sûr qu'il est infecté, les chats, on attend les résultats, 600 000 personnes infectées. Alors, que nous apportent toutes ces études? Eh bien, ces études, elles nous montrent que la transmission de l'homme vers l'animal, elle est possible, mais il faut garder en mémoire que ça reste un événement qui est extrêmement rare. Oui, il a été décrit, mais il reste extrêmement rare. Et dans cette transmission de l'homme vers l'animal, il semblerait que la transmission soit probablement plus facile vers le chat que vers le chien. Mais j'insiste vraiment, on est sur une transmission qui est extrêmement rare. Alors bien entendu, à partir du moment où on se pose la question de est-ce que l'homme peut transmettre à l'animal et que on a quelques cas d'animaux qui ont été infectés, la question évidente suivante c'est et est-ce que l'animal pourrait à nouveau participer à la contamination de l'homme? Alors, au jour d'aujourd'hui,
rapport ne suggère que ce soit possible. Et donc la transmission depuis le chien ou depuis le chat vers l'homme n'a jamais été rapportée, n'a jamais été prouvée. Et toutes les grandes instances sanitaires mondiales ou françaises vont toutes dans le même sens, que ce soit l'OMS, l'OIE, le CDC aux États-Unis ou l'ANSES chez nous en France. Toutes disent qu'il n'y a aucune preuve que les animaux domestiques puissent jouer un rôle dans la contamination humaine aujourd'hui. Donc on peut être clairement rassuré là-dessus. Alors, néanmoins, on est avec quelques cas décrits de transmission de l'homme vers l'animal. Et si on résume, comment est-ce que ces animaux se sont contaminés? Eh bien, dans tous les cas qui sont décrits à l'heure actuelle, la contamination, elle a toujours eu lieu quand il y a eu un contact étroit et prolongé entre l'animal et la personne qui était infectée, porteuse du virus. Aujourd'hui, on n'a aucune preuve qu'une contamination puisse avoir lieu de façon indirecte pour les animaux, donc via, par exemple, un support contaminé. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Parce que derrière, ça va avoir bien entendu des conséquences sur les mesures sanitaires que l'on va prendre pour nos animaux au jour le jour pendant toute cette période compliquée de circulation du virus. Alors la première question, parce que je sais que beaucoup de gens s'interrogent, c'est est-ce qu'il y a un risque si je sors mon animal pour qu'il puisse prendre l'air et faire ses besoins? Et bien la réponse, elle est claire. Non, il n'y a pas de risque et il faut maintenir ces sorties pour les animaux. C'est important pour leur bien-être et c'est aussi important pour le bien-être du propriétaire. En revanche, je vous rappelle qu'on est quand même dans des réglementations de confinement et il est bien entendu que ces promenades en temps de confinement font qu'on ne rencontre pas d'autres personnes et que d'autres personnes ne seront donc pas en contact avec l'animal que l'on promène. Le deuxième point, suite au retour de ces promenades, on a vu beaucoup de rapports de vétérinaires qui expliquent qu'ils ont des animaux qui sont intoxiqués ou brûlés par des désinfections trop fortes, trop rapprochées, avec des mauvais produits suite aux balades. Alors, est-ce qu'il faut désinfecter son animal à chaque fois qu'il rentre d'une promenade? Là encore, à l'heure actuelle, toutes les autorités sanitaires sont d'accord pour dire que ce n'est pas nécessaire. Il n'y a aucune preuve que le chien ou le chat puisse être un support inerte pour le virus. Donc, ce n'est pas nécessaire de désinfecter son animal. Donc ça, c'est des recommandations dans la vie de tous les jours pour des personnes qui ne sont pas infectées. Maintenant, on peut être infecté ou penser que l'on est infecté puisque tout le monde n'est pas forcément testé. Et donc, qu'est-ce que je fais pour mon animal? Eh bien, en fait, les mesures barrières que l'on préconise pour limiter la contamination entre les hommes, elles doivent également se mettre en place pour limiter la contamination de l'animal. Alors, c'est pas de contact étroit et prolongé. Alors, c'est, bah oui, on n'embrasse plus son chien ou son chat. Le chien ou le chat, il dort pas dans le lit. Quand on va s'occuper de son chien ou de son chat, on se lave les mains avant, puisque on sait que on peut avoir du virus sur les mains. Si on doit être à proximité de son animal, eh ben on essaye, si on en a à notre disposition, de porter un masque. Et quand on a fini de s'occuper de l'animal, eh bien on se relave les mains. Donc ce ne sont que des mesures d'hygiène basiques à respecter. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que on est dans du principe de précaution extrême, puisque à l'heure actuelle, le nombre d'animaux contaminés par l'homme reste ridiculement bas. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est en période de confinement et ça a limité un certain nombre de sorties possibles. Donc, on a vu un petit peu comment ça devait se passer pour les sorties quotidiennes des animaux. Mais vous savez aussi qu'il est compliqué à l'heure actuelle d'aller chez le vétérinaire et qu'il y a un certain nombre d'actes vétérinaires qui ne sont pas considérés comme prioritaires et donc pour lesquels il n'est pas possible
devoir lever tôt. Et parmi ces actes, il y a bien entendu la vaccination. La question qui se pose, c'est et si mon animal n'est plus vacciné parce que j'aurais dû le faire vacciner pendant cette période de confinement? Est-ce qu'il est à risque? Est-ce qu'il peut continuer à sortir? Qu'est-ce que je dois faire pour mon animal qui n'est plus vacciné? Alors, du coup, là, on va reparler non plus du COV2, mais des pathogènes classiques des chiens et des chats. Et on va se poser la question de comment est-ce que nos animaux ils se contaminent? Eh bien, en fait, on va retrouver les deux grands modes de contamination dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir que on peut se contaminer par contact direct. Le chien qui renifle et qui croise un autre chien, ou le chat qui croise un autre chat. Ça, c'est la première façon de contamination. Mais on peut aussi, parce qu'il n'y a pas que le COV2 qui se transmet de façon indirecte, on peut avoir de la transmission par contact indirect. Alors, ça peut être sur des supports inertes sur lesquels les animaux sont venus se frotter, éternuer. On a des risques de contamination non négligeables d'un certain nombre de pathogènes via les fesses des animaux, donc les excréments. Et puis, on peut avoir des animaux réservoirs d'un certain nombre de maladies, les rongeurs, par exemple, qui peuvent transmettre. Donc, c'est pas parce qu'on est en confinement que le risque n'existe pas. Mais si on prend en compte ces contacts directs et ces risques de contact indirects, est-ce que ça veut dire que nos animaux ne peuvent plus sortir? Est-ce que ça veut dire que ils risquent d'être infectés à chaque fois qu'ils sortent? La réponse, clairement, encore une fois, c'est non. Pourquoi? Eh bien, toujours pareil, parce que on est en période de confinement. Et comme on est en période de confinement, on est sur des sorties des animaux qui sont restreintes en durée et en distance. Les animaux, ils restent toujours sous la surveillance de leur propriétaire et en laisse. Et donc, en théorie, ça veut dire qu'il y a peu ou pas de contact avec les congénères. Donc, toute cette partie-là des risques infectieux a disparu. Et puis, de la même façon, notre animal qui est surveillé en permanence, on va éviter de le laisser traîner dans des zones où il y a, par exemple, plein de crottes de chiens qui n'ont pas été ramassées par les propriétaires précédents. Et donc, globalement, pour l'instant, si on respecte les règles associées au confinement, même un animal qui n'est plus correctement vacciné parce qu'il y a du retard sur sa vaccination, le risque infectieux va être limité. Alors, ça n'empêche que le risque infectieux, il est limité, il n'est pas complètement nul, et puis à un moment donné, on va quand même progressivement sortir du confinement. Et donc, quand on va sortir du confinement, bien entendu, une des questions qui se pose, c'est est-ce qu'il va être possible de rattraper le retard de vaccination? Et la réponse, elle est bien évidemment oui. Et non seulement ça va être possible, mais en plus c'est important de pouvoir rattraper ce retard de vaccination pour que les animaux puissent à nouveau avoir des sorties qui soient des sorties normales pour ce type d'animaux. Alors, qu'est-ce que vous allez faire à la fin du confinement? Eh bien, la première chose à faire, ce sera d'appeler bien entendu votre vétérinaire pour prendre un rendez-vous pour pouvoir rattraper ce retard de vaccination. Le début de la levée du confinement, c'est à partir du 11 mai. Il est évident que tout le monde n'aura pas un rendez-vous le 11 mai à 9h du matin. Et donc, bien entendu, tant que votre animal n'a pas rattrapé son retard de calendrier vaccinal, il faudra que vous continuiez à vous imposer ces mesures de confinement, c'est-à-dire un animal qui se promène sous surveillance, en laisse, avec peu, voire pas de contact avec ses congénères. Et puis, pour rattraper le retard de vaccination, bien entendu, ce sera fait en concertation avec votre vétérinaire qui pourra vous dire quels sont les vaccins qu'il faut refaire et quels sont les vaccins pour lesquels votre animal est toujours protégé. Et donc, pour terminer sur cette petite mise au point sur le SARS-CoV-2 et les animaux domestiques, je voudrais vraiment revenir sur un point très très important. Pour vous rassurer, c'est que vraiment, aujourd'hui, il n'y a eu aucune preuve de transmission
du SARS-CoV-2 de l'animal domestique à l'homme. Et que la transmission du virus à l'heure actuelle, elle est interhumaine et strictement interhumaine. On a quelques cas très rares décrits de contamination chien et chat. Mais ça reste très très rare. Néanmoins, pour limiter le risque et parce qu'on veut prendre toutes les précautions, on va continuer à mettre en place les mesures barrières pour les protéger au mieux contre un risque d'infection. Donc on garde ces mesures barrières. Alors j'espère que avec ces petits éclaircissements, vous avez réussi à y voir plus clair et j'espère vous avoir rassuré sur le fait que les animaux domestiques, ça reste nos meilleurs compagnons et que en ces périodes troublées, ils ne présentent pas un risque pour nous, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux et qu'ils ne sont pas dangereux. Alors, je sais qu'il y a un certain nombre de questions qui peuvent arriver sur le chat, donc je vais prendre une ou deux minutes pour les lire et je vais essayer ensuite de répondre à vos questions. Alors, effectivement, l'étude dont j'ai parlé sur les animaux qui ont été testés par PCR, c'est IDEX qui a fait le test PCR. À l'heure actuelle, on n'a pas d'informations sur la sensibilité et la spécificité de ce test. Néanmoins, les tests PCR sont des tests qui sont connus pour être très, très sensibles. En théorie, relativement spécifique, la grosse difficulté, c'est surtout la qualité du prélèvement, parce que si on prélève là où il n'y a pas de virus, on ne pourra pas en trouver. Donc, sur la question de la spécificité de ce test, je ne peux pas répondre. Après, sur est-ce que l'animal est un support inerte du virus et est-ce que cet animal présente un risque de contamination pour l'homme, comme je vous disais tout à l'heure, à l'heure actuelle, il n'y a aucune étude qui prouve que ce soit le cas. Alors, est-ce que quand on récupère l'animal qui provient d'une personne qui est infectée et qui doit par exemple être hospitalisée et qu'on doit s'occuper de cet animal, encore une fois, on peut appliquer le principe de précaution. Et appliquer le principe de précaution, c'est de se dire peut-être qu'effectivement il y a du virus sur le pelage de cet animal. Le shampouiner. Le shampouiner ne veut pas dire le désinfecter. Et un seul shampoing va suffire. On est quand même sur un virus qui est un virus qu'on appelle enveloppé, c'est-à-dire qu'il a une membrane lipidique qui le protège. Mais cette membrane lipidique, elle est très fragile et elle est facilement détruite par tout ce qui est savon classique. Donc, on ne désinfecte pas et on peut éventuellement laver l'animal. Alors après, je continue avec les questions. Il y en avait un certain nombre qui étaient arrivés sur comment est-ce que je reprends mon protocole de primo-vaccination. C'est impossible de répondre à cette question parce que il n'y a pas de généralité. Chaque animal a un âge précis, un retard de vaccination précis, un nombre de vaccinations qu'il a déjà eu précises. Et donc, c'est vraiment clairement le vétérinaire qui pourra vous dire comment reprendre au mieux le protocole de vaccination de l'animal pour qu'il soit mieux protégé ensuite. Après, il y a eu un certain nombre de questions qui sont arrivées avant ce direct sur est-ce que c'est vraiment intéressant ou est-ce que ce serait intéressant de tester systématiquement nos animaux pour savoir s'ils sont infectés ou pas. Là encore, vu les données que l'on a sur le très 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 petit nombre d'animaux qui ont été infectés, les recommandations actuelles sont de dire que non, on ne va pas réaliser un test systématique
des animaux domestiques qui sont en contact avec des personnes qui sont infectées. Pour l'instant, ça ne se justifie pas du tout. Et puis, une autre question qui était arrivée sur le chat, c'était aussi, est-ce que ce serait intéressant de vacciner les animaux, donc les chiens, les chats, contre le SARS-CoV-2? Honnêtement, pour l'instant, la question ne se pose pas, on n'a pas de vaccin. Mais ce qui est important quand on vaccine, c'est pour protéger contre une maladie qui est une maladie grave et qui est une maladie fréquente. Pour l'instant, chez le chien et chez le chat, avec ce qu'on connaît, il semblerait quand même que ce soit des animaux qui soient très peu sensibles à l'infection et même sur les animaux qui s'infectent finalement avec assez peu de signes cliniques. Donc pour l'instant, je ne crois pas que la vaccination ou envisager la vaccination du chien et du chat avec le SARS-CoV-2 ce soit une priorité pour protéger les animaux de ce virus. Alors, c'est une question qui revient vraiment très souvent. Est-ce qu'il y a du virus sur les poils des animaux? Est-ce que ce virus est infectieux? On n'a pas une réponse de certitude sur ces données parce que pour l'instant, le peu d'études qui ont été réalisées n'ont pas été réalisées sur le pelage des animaux. Donc, est-ce que on prend le risque ou pas? Encore une fois, quand les mesures de confinement vont être levées, on va pas reprendre la vie d'avant. Et comme on va pas reprendre la vie d'avant, on va garder des mesures barrières, forcément, entre nous, humains, mais également, on va prendre des précautions sur les animaux. Donc, quand vous allez avoir un animal de statut inconnu, dans le sens que vous ne savez pas si son propriétaire a été malade ou pas, vous pouvez décider de le shampouiner avant de commencer à démêler. Mais encore une fois, ce qui sera surtout recommandé dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois, c'est de travailler avec des gants et un masque. Et puis, sur la durée de vie du virus sur le pelage, encore une fois, je vous l'ai dit, ça n'a pas été fait. On est clairement sur un virus qui est quand même un virus enveloppé, qui ne résiste pas des jours, des mois. Globalement, au bout de 3 jours sur les surfaces dans lesquelles le virus se sent le plus à l'aise, on n'a plus de virus infectieux. Donc, il n'y a pas de raison que le virus résiste beaucoup, beaucoup plus longtemps sur le pelage, si tant est que le pelage soit une surface potentiellement infectante. Alors, je vais refaire un petit tour sur les questions. Alors, je vois une petite question. Je ne suis pas une spécialiste hein, des shampoings sur les chiens, les chats. Ce que l'on sait sur le virus, en revanche, c'est que c'est clairement l'eau savonneuse qui marche très, très bien. Donc, je ne peux pas vous dire ce que pourra faire un shampoing sec. En revanche, un shampoing, un vrai shampoing qui mousse, sera tout à fait capable de laver et de détruire le virus sans aucun problème. Alors, écoutez, je vois que on a bientôt fini le temps pour ce live. Ce que je vous propose, si vous avez d'autres questions, c'est bien entendu de continuer à les envoyer et puis on essaiera, dans la mesure des connaissances actuelles, de répondre à toutes ces questions. Et écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce live. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bon courage pour le confinement, restez patients et restez chez vous. Au revoir et merci à tous.